les archives. Cherchez manifeste, connaissement, réquisitionnement. Tout ce qui peut lier la compagnie aux cargaisons d'hybrides. Comment on est censé chercher dans tout ça? Tu calmes, Vinny. Contente-toi de monter la garde pendant que nous cherchons. Il doit y avoir quelque chose. C'est une perte de temps, je vous le dis. Chevalier, venez voir! Vous devriez voir ça. Ces cargaisons ont été envoyées dans mon pays. Si on se fie à ce registre, ma compagnie a étendu son emprise à l'ensemble des Indes. Là, la charge de l'Agamemnon, envoyée vers la côte est des Amériques. Voici trois autres prévues pour le même trajet. RMS Océanique est le suivant. Il lève les voiles dans 6 semaines. Où est Finlay? Lord Hastings.
Là, vous me croyez? C'est lui qui tire toutes les ficelles. Les morts de Whitechapel. Le fléau des hybrides. United India. C'était vous. Jacob Van Neck. Ou, comme les journaleux de Fleet Street m'ont si aimablement surnommé, Jack l'Éventreur. À votre service. Et merci, Messire Lucan, de m'avoir amené ces fouineurs. Chargez-vous-en. Ne nous décevez pas. Toi. Sacré hasard, vous ne trouvez pas, Messire Galahad? Le chef rebelle capturé? Un traître démasqué? D'une pierre deux coups. Et le traître, c'est vous, malheureusement. Alastair. Mais pourquoi? Pardonne-moi, mon frère. La sauvegarde de mes semblables passe avant. Semblables? Vite! Chevalier, ici le commandement. La présence de plusieurs intrus dans la United India House est confirmée. La police de Londres a reçu l'ordre de rester sur le pied de guerre. La protection et la sécurité de Lord Hastings sont notre priorité. Appréhendez tout suspect avec la plus grande vigilance.
serment. Allô ? Galad, pas un pas de plus. Attends, je peux expliquer. J'ai dit pas un pas. Vous arrivez juste à temps. Nous avons eu vent de perturbations. Oui, Galad s'est introduit ici avec ses infâmes rebelles, avec l'intention de me tuer. C'est un mensonge. Ah, voyez-vous même le résultat de leur attaque. La complice de Galad était une femme. Le chef de la rébellion, en fait. Elle a pu nous échapper. Pas pour longtemps. Ordonnez le retrait aux gardes de la compagnie, Lord Hastings. Les chevaliers se chargeront d'appréhender ce chef rebelle. Izzy, écoute-moi. Tu fais une grave erreur. Perceval, mets l'intrus en état d'arrestation. Je suis vraiment navré que cette tâche te revienne, Marquis. Pas autant que moi, monsieur. Fais-le sortir d'ici immédiatement. Je vous remercie, Dame Ygraine. Votre intervention ne pouvait pas mieux tomber. Nous ne faisons que remplir notre devoir, Lord Hastings. Mais j'insiste, madame, je vous conseille néanmoins de garder un œil sur ce traître. Vous serez certainement convoqué devant la cour. Il faudra que vous témoigniez. Je suis à jamais prêt à servir les chevaliers de Sa Majesté. Le prisonnier.